Depuis 2 ans au refuge de Velenoué. J'ai commencé en fait dans la protection animale il y a à peu près 8 ans. J'ai commencé comme ça en promenant des chiens. Après, je suis venue les matins pour nettoyer les chats. Et puis après, on m'a confié plus de responsabilités comme créer des pages internet pour informer les gens, leur dire qu'ils pouvaient venir être bénévoles, qu'ils pouvaient également être famille d'accueil. C'est recueillir la plupart du temps des chats. Adultes ou chatons. La durée de famille d'accueil, ça dépend vraiment de l'animal qu'on va avoir. Quand c'est des chatons, si on les a à 15 jours, bah, c'est jusqu'à leurs 2 mois. Quand c'est un chat adulte qui est malade, c'est jusqu'à son rétablissement. Donc pour le temps, faut préciser en fait, quand on veut être famille d'accueil, qu'on a des disponibilités soit modérées, soit longues. Pour ce qui est de l'attachement, on nous dit souvent de ne pas nous attacher aux animaux parce que ils vont repartir de toute manière. Quand on choisit de devenir bénévole, il faut bien être conscient que les animaux qu'on va rencontrer, ils resteront pas longtemps. Donc c'est pareil, on va s'attacher tout en sachant que l'animal, dans une semaine, 15 jours, au mieux pour lui, il sera parti. Il peut rester des mois et ça aussi c'est très douloureux. Quand on s'attache à un animal et qu'on voit qu'il reste 6 mois, 1 an, c'est assez dur à vivre parce qu'ils ont tous certes des caractères différents, mais ils méritent tous d'avoir des maîtres. La plupart des bénévoles ont certaines craintes vis-à-vis de certains chiens. C'est vrai qu'il y a des chiens qui sont plus impressionnants que d'autres. Quand on ressent une crainte, ne jamais se forcer. Parce que l'animal, cette crainte, il va la sentir et c'est là qu'il peut y avoir des accidents. Parce que faut savoir que quand on a peur d'un animal, lui, il a encore plus peur de vous. Le chien qui est là, il s'appelle Maboule. C'est un croisé Groenendal. Donc on va dire, ça ressemble à des loups de prairie en fait. C'est vraiment le cas typique du jeune chien, du chiot, qui est vraiment super adorable et tout, mais trop dynamique. Et beaucoup de gens viennent au refuge en voulant adopter un jeune chien, en se disant oui c'est bien, on va l'éduquer. Mais il faut savoir qu'un jeune chien, surtout quand on a des enfants, c'est pas facile. Et que comme on voit là, il joue, il mordit sur un enfant, ça peut faire mal. Donc bien savoir qu'un chien c'est effectivement un compagnon. Mais qu'il faut respecter sa nature aussi et que c'est dans sa nature de mordiller, quand on le promène, de tirer fort. Donc, il faut déjà être sûr de soi, être sûr qu'on va pouvoir assumer les besoins primaires de l'animal. Les sorties, la nourriture, la tendresse, parce qu'ils ont besoin de nous. Un chien, il a vraiment besoin de la présence de son maître, c'est vital. L'adoption au refuge, c'est une expérience extraordinaire.